aujourd'hui, il fait un peu chaud. Hein. Hop. On va retirer ça. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça super bien. Me revoilà pour une vidéo compte rendu vide-grenier. Alors, j'ai été faire un petit tour dans un vide-grenier et je vous assure que j'ai trouvé un de ces lots magnifiques. Alors, oui, je suis dans ma voiture pour vite faire la vidéo. Alors, j'ai trouvé tout simplement un GTA V sur PlayStation 3. Alors, franchement, bah, très content de l'avoir trouvé, surtout à 3€. Franchement, j'ai été même très étonné. C'est très rare en Belgique de trouver des prix comme ça. D'habitude, c'est 5€, 10€ le jeu PS3. Ici, il est en parfait état. Il a la notice, la carte. Normalement, il doit avoir même un poster, si je me rappelle bien. Ou je pense que la carte. Et il a le jeu, forcément. Et il est en parfait état. Donc, sur PS3, un petit GTA V, pourquoi pas. J'ai trouvé tout simplement le Shrek, Il était une fin. Donc, le dernier chapitre. Donc, celui-là, super content de l'avoir trouvé aussi. Parce que je suis un fan de Shrek aussi. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas, pour 1€, et en parfait état, donc magnifique. Et là, c'est le lot, un lot Bruce Lee, tout est sous blister, c'est 2€ l'unité, et moi j'ai essayé de négocier, donc j'ai dit voilà, ben, je vous prends le lot, parce qu'il avait vachement, j'ai pris tous les Bruce Lee qu'il y avait de toute façon, et j'ai demandé si c'était possible de me faire un prix, il m'a dit 10€, donc voilà, j'ai gagné 2€, c'est comme si que j'aurais eu un DVD gratuit. Et franchement, il est vraiment fou d'avoir fait 2€ parce que c'est du très lourd et ça coûte beaucoup plus cher que ça. Mais bon, c'est super sympa de sa part. Alors, pour le premier DVD, c'est bien sûr Bruce Lee Collection, le jeu de la mort. Donc, super content de l'avoir trouvé et sous blister, un truc de fou. Donc, c'est une version intégrale remasterisée. Donc ça, c'est plutôt cool. Je connaissais pas ce style de boîtier-là. Donc, c'est pour la première fois, version intégrale et nouvelle VF. Donc je ne sais pas trop c'est quoi, mais je sais bien que dans ma collection je n'ai pas de DVD comme ça. Donc voilà, un petit DVD du jeu de la mort. On enchaîne avec un autre DVD qui est tout simplement Bruce Lee Collection, donc ça reste bien sûr dans la même collection. C'est Big Boss, voilà, petit Big Boss. Celui-là, un de mes films préférés de Bruce Lee, et très content justement de le ramener chez moi. On enchaîne avec La Fureur de Vaincre. Donc voilà, petit DVD. Donc toujours dans la même collection. Franchement, tout est sous blister. Très content d'avoir... En plus, c'est très rare de trouver des DVD Bruce Lee en parfait état. Et surtout, tout simplement, c'est dur de trouver du Bruce Lee tout court. Donc super content. Et là, ça c'est vraiment une pépite. Je suis tombé sur, en cherchant dans le lot... Je suis tombé sur un Opération Dragon sous blister. C'est les anciens boîtiers. Et ça, sous blister. Franchement, ça, c'est une pépite. Et ça se vend beaucoup plus cher que ça. Et ensuite, on a tout simplement La Fureur du Dragon en collection. Donc Bruce Lee, remasterisé. Et sous blister, encore une fois. Très content de le ramener chez moi. Et là... Et là, je suis tombé sur mon tout premier DVD, René Château. Donc ça, j'étais super content du jeu de la mort. Donc ça, c'est super rare à trouver en brocante. Et je suis tombé dessus seulement pour 2€. 5 ans après sa mort, son dernier combat. Je rentre avec moi le jeu de la mort sous blister de René Château en DVD. Ça, c'est vraiment super rare à trouver. Il est sous blister. Après le blister il a un peu cassé, mais ça c'est pas très grave. Franchement, super content de le ramener chez moi. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit compte rendu vide grenier. J'ai trouvé franchement du lourd. Et ça fait plaisir parce que du Bruce Lee c'est très rare à trouver en Belgique. Mais là je suis tombé sur un lot mais incroyable. En tout cas, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous aimez tout simplement ce petit style de vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.